Et yo tout le monde, j'ai un petit problème. C'est surtout pour vous. L'épisode 1, où je faisais jour J, mais il a pas. J'ai oublié de le poster, il a bugué, je l'ai pas posté. Donc j'ai posté tous les autres, mais pas lui. Et je viens de m'en rendre compte maintenant. Donc c'est un peu problématique. Donc je suis désolée s'il n'y a pas l'épisode 1, je pense que je le mettrai vers là. On est à la fin là? On est à la fin? On fait lui octobre. Et l'autre? Aix-la-Chapelle. Les Boches la défendent comme des forcenés car c'est la première fois que l'une de leurs villes est envahie par les alliés. Ce ne sera pas la dernière. D'accord. Oui, j'ai besoin d'un truc. Ça a l'air calme, mais c'est sans doute pas une bonne chose. Daniels, qu'est-ce que tu vois? Pardon? Le ciel est dégagé. Nos bombardiers sont passés par là. Vous admirez le paysage, soldat? Qu'est-ce que vous regardez? J'ai l'hôtel en ligne de mire. Pas de soldats sur le balcon. J'en vois pas ailleurs non plus. Ils doivent se terrer à l'intérieur. Par contre, là, les gens, il y a un petit problème. Mais c'est pas du tout le début, ça. Cet endroit. On devrait pouvoir s'approcher sans rencontrer trop de résistance. Bon, Une fois qu'on aura atteint l'hôtel, il faudra qu'on s'attende au pire. Oui. On va d'abord devoir s'emparer. Que j'espère. On pensait que la libération de Paris nous rapprocherait enfin de chez nous. Mais nos problèmes ne font que commencer. On se bat dans une ville à présent, Aix-la-Chapelle. Les Boches tiennent la ville avec désespoir. Je les comprends. On perfore la frontière ouest de l'Allemagne. Davis nous a ordonné de tout nettoyer, maison par maison. Il doit plus rien rester, comme il dit. Turner et Pearson sont incapables de s'entendre depuis qu'on est là. La fatigue commence à s'accumuler. Allez, c'est l'heure de la bouffe et des munitions. Ne pas discuter mes ordres, c'est ça votre seule mission. Eh, remuez-vous un peu. Il faut qu'on ait rejoint le QG avant la nuit. Eh, j'ai trouvé ça coucou, qui traînait. C'est bien ta femme. Je t'ai demandé de pas fouiller dans mes affaires. Quel genre de guignol ouvre pas son courrier? Le genre qui redoute une rupture? Regarde l'adresse, elle a écrit Daniels, pas Red. Y'a pas 36 raisons d'être aussi formel. Désolé mon vieux, mais je crois qu'elle te largue. Eh, c'est peut-être comme la lettre de Schrödinger. Tu sais, tant que tu l'ouvres pas, ça reste ta copine. Comme la lettre de Schrödinger, hein? Bah quoi? Ça suffit, les conneries! On doit être au théâtre municipal demain à 7h30. Mais ta mère, d'habitude, il est... Parce qu'il était sympa. Faut croire qu'on a tous nos limites. Sans exception. Il est un peu énervé. À tort ou à raison, je me force à croire que tu m'aimes encore si je veux rester fort. Et donc j'explique pourquoi j'avais déjà vu. J'ai tourné une vidéo mais j'étais bloqué. Et en plus j'avais arrêté. Dommages collatéraux. Octobre 1944. J'ai hésité, je sais pas pourquoi. Allez Daniels! Daniels! C'est bon, je suis là! Baisse la tête! Merde, on les pile, mais il en arrive toujours plus! On va pas pouvoir tenir la place bien longtemps! L'artillerie est en chemin, ils disent être là dans 10 minutes! C'est pareil que 10 heures! Lieutenant Turner, il nous faut des blindés! Les chars couvrent notre flanc! Couvrez la douce et laissez-moi réfléchir, bon Dieu! On a pas le temps pour ça, tête! Bon, Daniels! Toi et Ayello au téléphone avec Pearson! Vite! Allez, c'est parti! J'y vais! Je suis en retard. Ah non, il est nul. J'ai pas un... Agnès, téléphone! Voilà, sergent! Dagwood White 27 à Villa. On est sous le feu! Demandons appui immédiat sur ligne phase 2, à vous! Bien sûr, mais ça va nous exploser sans... Oui, pardon, je dois juste regarder un truc. Ça va. Ok, à ramenez vous. Vos fesses le plus vite possible. Bien compris. On se met en route. Et maniez-vous, c'est pas que nous réduisons en charpie. Terminé. Bon les gars, direction le Stadttheater. La première section a besoin de nous. Position ennemie inconnue. On bascule en communication par radio et interphone. Radio activée. Abson, cours par la droite pour rejoindre le théâtre. À droite devant. Bien reçu, Perez! Abrams, Poul, restez en position ici avec la seconde section. Couvrez ce
Bien compris. Ça marche, Perez. Restez vigilants et faites gaffe aux fantassins en fer. Ok, Rapson, en route. Je vais détruire le poteau. Hé, hey, j'aperçois du mouvement, côté droit. Non, nos gars au théâtre ont les mêmes emmerdes que nous. Dès qu'on repousse les Allemands, ils en débarquent aussi dans l'autre. On est sur leur terrain. C'est plus du tout pareil. S'ils veulent un bain de sang, ils l'auront. Ils ont pas la moindre chance. Pas leur façon de voir. Unité de Panzerschreck. Ici, Détroit Bacon Humain. C'est un jeu à choix, c'est trop... Plantez sur notre droite. Oui, mais je suis en train d'aller le piou-piou. J'ai dit un jeu de mots, mais... Je crois que... je vais pas en faire. Pourquoi les gens, sous les vidéos, ils marquent « Veux-tu être mon ami ?» Je les vois plus. Non, je dis ça parce que dans... Je crois que c'est dans une vidéo, mais on m'a dit que tu es mon ami. Ça me dérange pas, mais en fait, je sais pas quoi répondre. Parce que je sais pas, je te connais pas. Donc, je ne réponds pas. Mais... Tu vois pas que je veux pas aller l'attaquer, je sais même pas où il est. C'est pas un cache-cache. C'est pas vrai! Où ils sont passés? Je vais lui décor. Au but! L'obus n'a pas perforé le blindage! Ah, je lui ai mis un, truc, il m'en a mis un. Détruit. Char détruit! Hobson, répondez! Il est perdu. Non. Dis pas que. Hobson, vous me recevez? Il est mort. Ils l'ont tué. Bon Dieu! Hobson! Je suis désolé. Moi, il y a un bot qui me manque. C'est cool ça. C'est super. Allez, nos gars nous attendent. On grimpe cette colline. Non, ça va, dis-moi, je fais une petite balade. Est-ce qu'on peut détruire? Non. Allez, au sommet de la colline. Ah, ah,
C'est un tigre! Attirez-le! On doit viser ses flancs! T'es un barre-toi. Ah vache! On fait le cadavre à la droite! Courriez le camp! On se fait écraser! Le blindage a dévié! Sortez ça, il me visait! On a un autre panzer ici aussi! On va pas pouvoir en supporter plus! Ne quitte pas le secteur! On doit éliminer les chars! Le tigre nous a tiré dessus! Oui, mais désolé, mais il se colle à moi donc je peux pas bouger! Ah, c'est un tigre! Attirez-le! On doit viser ses flancs! On a un autre panzer ici aussi! Écrasé! Et nous vise, tirons-nous de là! Oui! Ah non, vous cherchez là. En plein dans le vide! Vite, partons! On est vulnérables! Oui, je sais, mais il veut pas tourner ton tank, il est nul. Tu l'as acheté où? Il est nul. Tu veux me dire que tu l'as acheté sur Wish à 2€ maintenant? Boum, dans son cul. J'ai eu le salaud! C'est pas. On va encore se débarrasser du tir! Pas question de repartir avant d'avoir pas du gain, le dernier char! Tir confirmé en plein flanc! J'ai appris un truc qui m'a fait rager, j'ai regardé une vidéo. Char sur le droit! Et j'ai vu comment. Combien j'ai pas fait exprès? Bah si un peu. Le tigre nous a touché, il est derrière nous! On va pas pouvoir en supporter plus! Un coup et je meurs. Mais s'il veut pas tourner ce tank, t'es nul. Ouh, je vais trop vendre. Rechargement en cours! Dans le mine! Tire. Tir confirmé en plein flanc! Spray. Accès. Blindé sur le droit! Et nous vise, tirons-nous de là! T'inquiète pas, il se passe rien. Il s'est rien passé. Tout va bien. Je n'y vois plus! Rechargement en cours! Char détruit! Rejoignons la colline d'où venait le tigre. Attends, on peut encore tuer d'autres. Le diable devrait être au sommet de cette montée. D'un coup de White 2-7, Avila! On tiendra pas plus longtemps! Bah si, si on veut... Il y a d'un coup de White 2-7! Ramson s'est fait descendre. Il reste plus que nous. Nous sommes en route. C'est tellement chiant là. Allez, au sommet de la colline. Je répare ce que je peux d'ici. Théâtre est juste à côté. Tu peux s'arrêter là? Je suis fatigué. Non, c'est bon. J'ai gagné des vies. Détruisez les packs qui visent le théâtre. Pourquoi vous courez tous? Voilà le théâtre. On dirait que l'escouade de Kerman est dans la mer. Il y a un blindé allemand ici. Éliminez-moi tout de suite ce panzer! Un panzer prêt nous tire dessus, droit devant! On lui charge! On se fait écraser! Le char ennemi a été détruit! Véhicule ennemi en approche! Détruisez-les! Ennemis! Fantassin et panzer Shrek dans les appartements en face! Retire! Et lâchez pas! On y est presque! Liquidez les survivants! On lui charger! Un panzer Shrek nous tire dessus! Arrêtage, droit devant! On va pas pouvoir en supporter plus! Des panzer Shrek devant! Quelqu'un a d'autres cibles en visuel? Non. Je vois rien! Je crois que la voie est libre. On les a tous eus. Il n'y a pas toujours un mec qui nous tire dessus. Parce que c'est plus loin. Villain, attaque Wood White 2-7. La place est nettoyée. Je répète, la place est nettoyée. Merci pour le coup de main. Dagwood White terminé. Bon, Perez va rester en position devant le théâtre pour couvrir notre flanc. Nous, on va pousser en direction de l'hôtel Allendorf sans soutien blindé. En route. Ok, c'est parti. Cet hôtel est un bastion nazi depuis des semaines.
c'est nul, on peut même pas voir quand il crush. Ça serait plus simple si on avait quelques chars avec nous. Pérez doit maintenir sa position. Nous allons ouvrir la marche. On a un petit bazooka, s'il vous plaît. Que j'utiliserai très peu. Fais les yeux, surveillez les fenêtres. Gardez un œil sur ces vitrines. C'est pas normal, c'est trop tranquille. Restez vigilants. Gardez votre calme, restez à couvert. Je crois qu'il va y avoir un truc. On va pas faire un acte théorique. Mitrailleuse, restez dans la rue. On va faire un acte théorique, on parle. Assaut, trouvez un point d'entrée. Faut rien faire. On parle pas qu'il va y avoir un acte théorique. C'est sûr, ça sent trop la théorique. Il y a quelqu'un qui a son balle. Je vais devoir le traîner. D'accord, mon copain. Continue d'avancer. Allez, voilà. À la droite, à tu vas t'en tirer. Accroche-toi, l'ami. Oh, je l'ai sauvé. Absolument le finir au... En plus j'avais quasi tout. Position gauche repérée. Tu vas t'en tirer. Non, je suis trop fier, t'inquiète pas mec. Accroche-toi l'ami. Prends des munitions, Daniel. Je sais pas faire de sondage, donc à mon avis, vous êtes dans le commentaire. Hors de question de retourner dans la rue. Ce mur a pas l'air, Daniel. Daniel, ouvre un passage avec ton lanceur. Ah, ouvert. Là, je suis prêt. Capitaine. Il me faut des munitions, chef. Non, t'as rien pour toi. Continue d'avancer. Assois-toi. Agnès, aide un peu l'artillerie à se diriger. Mais toi, sergent, montrez-les-moi. Attends, je peux même le faire avec une traite, ça, le... c'est beaucoup trop stylé. Tu as sec, chef. Tiens, soldat. Les ai dans mon viseur. Envoie-moi une fumigène. Ah là, je suis là, mec. Ok. Il me faut cette trousse de secours. Merci. Qu'est-ce que tu peux me donner? Il y a encore vivant, mais j'ai blanché les... Je sais qu'il est pas mort. Oui, monsieur. Ah voilà, retournons, on a vu la cinématique. Ça a l'air calme, mais c'est sans doute pas une bonne chose. Daniels, qu'est-ce que tu vois? Le ciel est dégagé. Nos bombardiers sont passés par là. Vous admirez le paysage, soldat? Qu'est-ce que vous regardez? J'ai l'hôtel en ligne de mire. Pas de soldats sur le balcon. J'en vois pas ailleurs non plus. Et
doivent se terrer à l'intérieur pour renforcer leur défense. Ils misent tout sur cet endroit. On devrait pouvoir s'approcher sans rencontrer trop de résistance. Mais une fois qu'on aura atteint l'hôtel, il faudra qu'on s'attende au pire. On va d'abord devoir s'emparer de cet appartement. Il pourrait grouiller de poche. On va le nettoyer pour couvrir nos arrières avant de passer à l'hôtel. En formation! Daniel, Zussman, vous ouvrez la voie. On y va! C'est pas moi qui ai géré l'avion. Restez sur vos gardes! Les appartements pourraient grouiller d'Allemands. À mon avis, ils sont dans tout le quartier. La voie est libre! En avant, restez vigilants. Daniel, on a encore besoin du lanceur. Gaffe, ça va péter! Je vois rien du tout! Allemand, en face! Descendez-les! Le passage est bloqué! On doit se débarrasser de ces moches! Je les vois pas! Restez baissés! La fumée se dissipe! Préparez-vous à tirer! Grenade à envoyer! Attends, qui arrive! Bloquez-vous! C'est moi! Fumigène! Bien, passe devant et sécurise la pièce adjacente. Affirmatif. La porte est bloquée. Va falloir se faufiler. C'est vraiment étroit. Moi, je passerai pas. T'as mangé trop de corned beef. Oh, très drôle. Daniels, vas-y. Quoi ? Oh, tu veux là ? Double kill ou double kill? Lancez de fumigène! Ça va pas du tout, j'ai besoin de... On est presque à l'hôtel. Soyez discret. Ok, on y va. Merci. En fait, c'est pour être discret parce qu'il faut être discret. Descendez. Et parce que je suis pas gentil. Attendez, voilà. Tout en bas. Ce bahut nous bouche le passage. Ah, on va le pousser. Ayello, enlève le frein et prends le volant. Allez, prêt, pigé. Il va se passer un truc, c'est pour ça que je me cache. Daniels, on a besoin d'un coup de main. C'est sûr. C'est toujours trop beau. Encore ça, non ? Allez, Daniel, pousse ! J'ai jamais pointé là. Saloperie ! Les pneus ont l'air intacts. Reste de l'essence. La batterie a du jus. Il faut un vide. Lieutenant, je crois que je pourrais le démarrer. Oh, les mecs, elle est libre. Surprise. La gueule, Einstein. Ok, on y va ! Préparez-vous, les gars ! Daniels, encore un mur.
Berce-moi ça. Mettez-les tous au tapis, d'accord? Ah, ils sont là, t'inquiète. Reculez! Vous arrêtez pas! On doit nettoyer le hall! Sussman à droite! Aiello à gauche avec moi! Stiles à l'étage avec Pearson! À vos ordres! Affirmatif! Maman, il y a peut-être ma mère qui va passer. Donc, parce que voilà, je vous préviens. Oui, vous allez me dire pourquoi ma mère elle serait à tout ça. Parce qu'on habite juste à côté. Je descends, je fais une. Allez, 20 mètres en bas, c'est bon, elle est là. Ça, donc, tout est à côté. On doit nettoyer le hall! Sussman à droite! Aiello à gauche avec moi! Stiles! À l'étage avec Pearson! À vos ordres! Tiens, nous devons! Ils sont rapprochés de la sortie principale! En face! Ils traversent les escaliers aussi! Allez-y, prenez les harpères! Merde! Ils sont partout! Normal, tout ça, donc on va pas se faire. Bonjour, je suis en vidéo. Non. Daniel, tu dois atteindre le couloir du fond derrière les escaliers. Par ici. Le temps que je commence la vidéo. Par contre, je vous ai dit que mon ami ou ma mère, mais pas du tout. Quoi, j'ai envie de jouer avec ça. Non, ok, j'ai pas envie de jouer avec ça. On doit atteindre le couloir du fond, Daniel. Non. En campagne, je fais le let's play. Les bonhommes. Qu'est-ce que tu le fais, toi? Non, mais j'ai tué. Mais oui, il y avait mon pote et l'autre, et à place de tuer le Bosch, j'ai tué mon pote. S'il y a une guerre, je veux jamais y aller, mec. Je vais tuer mon pote à place de tuer les méchants. Allez, je vais aller au sous-sol. Restez groupés. On sait jamais. Attends, est-ce que dans la cinématique... J'aimerais bien qu'il y ait une cinématique. Avec le train? Lumière. Ouais, je l'ai réussi. Regarde, il y a là encore la fumée de la fumée. Écoute, tu vois, lis. On dirait un gosse. On dirait un gosse. Quelqu'un a du chocolat? Quelqu'un a du chocolat. Fumé. Pourquoi? Mais pourquoi il... Je parie que vous avez faim. Quand t'as un enfant, tu veux pas lui montrer du chocolat? Tenez. Je sais pas. Anna! Tout va bien! Tout va bien! On vous veut pas de mal. On vous veut pas de mal. Vous êtes quoi? À manger, ma soeur, pitié. Mais c'est pas français, vous. Aidez-nous. Non, non, non. Les renforts Bosch peuvent arriver à tout moment. Mmh. Je n'ai absolument pas le temps de materner des civils. Elles sont que deux. Chef, vous devriez venir voir. Il a dit elles sont que deux. Et il y a toute une... plein de personnes. Ah, c'est parfait. Merde. On est passé devant un camion tout à l'heure. On pourrait revenir avec et les sortir de là. Sauf votre respect, notre mission était de sécuriser cet hôtel. Attends, mais c'est pas du français. C'est de l'allemand. Je ne parle pas Bosch, ma belle. L'allemand. Tu parles Bosch? Et t'avais l'intention de nous le dire? Oh non. Bon, on va évacuer ces civils. Daniels, Aiello, allez chercher ce camion. Rendez-vous du côté ouest de l'hôtel. En route. D'accord, on doit aller chercher un camion. Je me demande ce que tu caches d'autre, Herr Sussman. Foutez-moi la paix. Ah, jamais de la vie, soldat. Jamais de la vie. Je crois qu'on est seul sur ce coup, Daniels. On revient pas que Sussman nous ait pas dit qu'il parlait allemand. En fait, il est juif allemand. C'est juste qu'il voulait pas révéler son côté allemand. On a tous quelque chose qui nous fait honte. J'arrive pas à croire qu'on fait 4 dans ma poche. Il y avait un gosse. Des vieillards aussi. On va sauver tout le monde. C'est des civils.
On les renvoie vers l'arrière. C'est comme ça que ça marche. Est-ce que j'ai compris? Ah, il se cache là, il va y avoir du fight. Ok, on va en avoir pour bien longtemps. D'accord, on te couvre. Quoi, on aura le courrier? Qu'est-ce qui se passe? On va le manger d'approche! Bande de fête! T'es sûr, ça? Hein oui, quel homme? Je peux jamais être tranquille, il est obligé d'avoir tout le temps des piou-piou. Hein? Attends, c'est quoi ma mission? Récupérer le camion, donc je dois pas tuer. J'ai l'air de cacher là comme ça. Il est là tout à l'heure. Tu t'allonges et là t'es bien. Parce que là, même des gens n'est pas fait, donc je peux casser la campagne et j'ai eu l'idée. Enfin, let's play. Elle s'est vraiment fait poup dans ma tête. Poup. Plusieurs véhicules approchent. À couvert. C'est vraiment un bordel de monstres. Bye bye, c'est moi. On va rester là, grouille-toi. De quoi encore? Il faut détruire ces attaques. Ayello, dépêche-toi, merde. Je suis presque. Le pain, il a jamais fait ça. Le celui à gauche, il est toujours pas détruit. Comment ça, il est pas détruit? Ils arrêtent d'attaquer. On dirait qu'ils se replient. Non, on se replie pas. Je vais pas aller jouer. J'ai vraiment con. Viens, on se passe. Rame ton camion. T'as réussi à le démarrer. Merci pour le soutien. Je me demande s'ils sont pas en train de se regrouper au nord. On doit avertir les squads. On doit tirer ces gens de là et vite. Ou alors... Tiens la position. Trop dangereux. On risque d'être pris entre les échanges de tirs. C'est un peu tard pour ça, là. Décide-toi. Gilson a raison, Daniels. On n'a pas le temps de s'occuper d'eux. Pardon, tu as tout fait d'eux. Ils ont besoin de nous. Traverse la zone et carre-le dans la rue. Oui, sergent. Voilà. Sors les civils de là. Oh non. C'est là que j'ai pas réussi. Allez, allez. C'est là allez, du coup, allez, je vais arrêter parce que ça me compte de tuer. Mais genre... Oh non. Hey, où est-ce que vous allez? Qu'est-ce qu'elle dit là? Que sa sœur a dû retourner au sous-sol. Eh ben elle peut y rester, on doit tirer tout ce monde de là. Allez. Lieutenant, s'il qu'est-ce plaît. Que je viens de dire? Tu as 2 minutes. Je viens aussi. Non, juste Daniel. C'est trop dangereux. J'ai besoin de toi pour couvrir le périmètre. Oui, chef. Dépêche-toi de revenir. À vos ordres. À vos ordres. Eh ben je vais prendre tout mon temps. J'ai pas pu te voir. Je peux me la toucher. Et boum, t'aimes pas quoi, mec? Je te mets des mandats, UFC, mec. Hexagone. Je peux m'en voir à tout. Je veux dire hexagone. C'est quoi que. C'est quoi déjà où on dit je sais plus quoi sans règle? Ouais, octogone. Prends un flingue, mais prends le flingue, petit con. Prends un flingue, tu mets une balle, deux balles dans le. Et là, maintenant, on court. Il vient de tomber dans la marche. C'est nul. J'aime pas, c'est stressant. Et merde. Hé, hey, t'es là. Je dois trouver Anna. Ok. C'est après, il faut se sauver, mais en fait, je viens de prendre. Vous, je vais pas le dire parce qu'après, ils vont savoir. Elle doit être ici quelque part. Je parie qu'elle est ici, je suis sûre.
suis sûr qu'elle est. Yes. Hé, hey, petite. Hé, hey, petite. Viens. Retourne voir ta sœur maintenant. Viens, mon petit. On comprend pas quand tu parles, tais-toi. Viens là. Chut, chut, tout va bien. Les nazis sont là. Tu sais qu'il y a vraiment un mode zombie nazi. En fait, petite fille, je comprends pas le nazi. Je comprends pas le l'allemand en fait. Chut, tout va bien. Tout va bien. Ouais, tout va bien. Kein Anzeichen von Feind. Sie ist nicht allein. Tu t'en sors très bien. C'est stressant, non, l'ambiance. L'ambiance, elle est bizarre. Pourquoi il m'a fait ouvrir? Merde! Je sais pas quand ça. Putain. Les nazis. Oursin. Gossmann, Müller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort. Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden! Je te vois. Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Kaspar! Tu t'en sors très bien! Maman m'appelle? Oui, maman, je suis en vidéo là. Je te rappelle après. Bisous. Yeah, je suis reconnue par ma mère. Mais presque. Ouais, non, ben, c'est normal, tu vas dire. Ben, ma mère m'a pas reconnue. Monsieur Raus. Tais-toi, tu parles, en plus, je comprends rien. Ça se trouve, elle m'insulte. Tu peux pas comprendre parce que je suis une Allemande. Allemande. Allemande, tu n'avais pas pensé aux amendes. Tu t'en sors Allemande très bien. On y est presque. D'où est-ce qu'ils viennent? Merde, c'est pas une blague, je trouve vraiment. Ensuite. T'inquiète pas. T'inquiète pas, tu peux juste prendre une balle. Et au pire, quoi, on tend plus. Au pire, on tend plus un bras. Ça va aller. Tout va bien. T'inquiète pas, c'est une petite balle. Après, on va t'amputer. Et tu vas peut-être décider. Et toi, une chance de décider. C'est pas grave, tout va bien. Putain, y'a tout le monde qui me repère. Ok, après, tu vas être peut-être un peu. Je suis avec toi. Quand même, depuis un petit moment. Je suis là, Anna. Non, tu j'ai mis. Encore un petit effort. C'est un de nos gars. Daniel, faut qu'on se tire d'ici. Conduis-la au camion. On tourne. Ça va faire un petit. Butez toi. Non, imagine, elle meurt. C'est ça que j'aurais fait tout ça pour rien. Imagine, plus tard dans l'aventure, elle prend une balle dans la tête. Daniel, par ici. Oui. Anna. Merci. Bah oui, j'ai risqué ma vie, t'es obligé de dire merci. Ok, ils peuvent se débrouiller. En route. On les escorte à poids, c'est tout. Pearson a raison. Si on vient avec eux, on risque d'attirer des tiens. Ça me paraît trop risqué. Soldats Sussman, on sécurise cette rue et on les évacue, c'est compris? Oui, j'ai bien compris, mais seul, je pense qu'ils seraient plus en sécurité. Si on laisse les Allemands reprendre cet hôtel, tous les nôtres dans le secteur seront en danger. On n'est pas à Catherine, là.
On a l'avantage. Allez, faites-les monter, vite. À vous de voir. Tous à vos positions. Quoi, ma position? Putain, non, pas des chiens. Je vous ai déjà dit que je n'aimais pas les chiens. C'est triste de tuer des chiens. C'est vrai, ils sont en dessous. C'est-à-dire que je peux récupérer l'instant? Du coup, je récupère. Mais Marc, on ne me respecte pas. Il vient pas chez moi. Oh! On peut pas être mort. On reste à ta place de nul. Chef, des munitions! En vrai, c'est pas très gentil, mais bon. Rien à signaler! Le jardin est méchant, les méchants. Je peux ouvrir, quoi. On approche. Ok, je vais l'ouvrir. Tout le monde est là! Et je vais l'ouvrir. J'aimerais pas que ça bug et que ça me stresse, ça les brûle vraiment. Il y a encore le feu dedans. Kann jemand einen Lost erfahren? Wie in einem Breckenhäuschen. Ja, ich kann fahren. Allez, venez. Fais gaffe! Slow motion. J'adore son flingue. Ils ont tiré sur le camion! Non! Mais putain, en dessous de ta petite, elle va être pas contente. Elle est morte! Comme il a dit, elle est morte. Allez-y! Allez! Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Je suis les ordres, tout le monde retourne à l'hôtel! On bouge, on bouge, on bouge! Mais t'es sans cœur, toi, en gros. Tu vois une personne mourir et tu la. Hey, on peut plus rien faire. Attends une minute. C'est des Allemands qui tuent des Allemands. On a pris Aix-la-Chapelle, ouvert un passage occidental vers le Rhin. Mais le fossé entre Turner et Pearson est plus large que jamais. Et c'est bien plus que nos vies qui reposent entre leurs mains. Donc c'est la fin. Souvenir, on a eu 0 souvenir, on a eu 3 actes héroïques. Et on a fait ça en deuxième classe, bon, comme toutes les parties. Si tu veux moi sur mes réseaux, TikTok c'est le délirant 1, si j'ai pas de bêtises, ouais c'est ça. Et vous pouvez m'ajouter sur Snap, c'est... Bon, si vous en foutez, c'est le délirant. n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de...